Rapide aparté, en début de cette vidéo, ceux qui connaissent la mission, qui connaissent le chemin et qui veulent directement voir les emplacements peuvent avancer un petit peu plus loin dans cette vidéo. Je vous mettrai le timer en barre d'infos. Du coup, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment obtenir l'impulsion exotique infection parfaite. Alors on découvre ses rôles et surtout on apprend comment obtenir son catalyseur par l'intermédiaire d'une quête qui se nomme infection raffinée donnée par Adawan. Alors au cours de cette même vidéo, je vous parle de la première étape de la quête pour la semaine 1 dans laquelle il faut d'abord éliminer les déchus au cosmodrome et ensuite activer une paire d'interrupteurs. Et c'est là que je voulais vous faire mon petit disclaimer, puisque j'ai lu quelque part qu'il s'agissait des interrupteurs de la salle de Trevor. Or, cette information était fausse et je ne l'ai pas vérifiée avant. J'en suis désolée et je vous présente toutes mes excuses pour cette erreur. Je laisse tout de même la précédente vidéo, puisqu'en soi, elle explique essentiellement comment obtenir l'arme et quels sont les perks qui la composent. Alors en réalité, les interrupteurs en question, ils se trouvent à un tout autre endroit de la mission légende. Du coup, je laisse en première partie de cette vidéo tout le cheminement en accéléré par moment pour ceux qui ne sauraient pas comment se rendre dans cette zone en version légende. Nous y sommes. Lorsque vous atteignez précisément cet endroit, il y a donc deux interrupteurs à activer. Vous avez 30 secondes pour faire la manipulation. Et bien évidemment, il y en a un qui est plus embêtant à atteindre, sinon ce serait pas drôle. Alors première information, par anticipation, le deuxième interrupteur nécessite qu'une porte soit activée pour pouvoir l'atteindre. En conséquent, vérifiez bien déjà, dans un premier temps, que ce levier-ci présent à l'écran soit bien activé. Si c'est le cas, alors la porte est ouverte et vous n'aurez pas à le réactiver ultérieurement. Dans un second temps, je vous montre le chemin en version montante dans laquelle vous allez devoir escalader et qui part depuis le levier de la porte jusqu'au deuxième interrupteur. Activez donc le premier interrupteur, celui qui se trouve juste à proximité du levier de la porte, et montez en progression jusqu'à atteindre le deuxième interrupteur. Si vous échouez, pas de panique, il vous suffira simplement de refaire la manipulation en sens inverse. Activez celui du haut en premier et redescendez jusqu'à l'autre interrupteur. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide dans ce sens. Et voilà, la première des trois parties de la quête du catalyseur est maintenant activée. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour l'emplacement des deux prochains interrupteurs. Bye !